Hortus Focus présente. Jean-Luc, ça c'est les petits pois que tu as semés quand? Au mois de mars. Et tu les as semés en place, hein, ça se sème en place les petits pois? Oui, tout à fait, ouais. Petit pois par petit pois sur deux sillons puisqu'il y a deux rangées. On sème graines petit pois par petit pois tous les combien? Tous les 2 ou 3 cm. Ah oui, c'est donc un semis assez dense. C'est très serré, ouais, bien sûr. Hein. Et tu récoltes quand tes petits pois? La récolte a lieu en juin. D'accord, en même temps que donc les patates primeurs, les carottes primeurs. Voilà. Et on peut en semer jusqu'à quand des petits pois? On les sème une fois dans l'année ou on peut en semer en plusieurs étapes? On peut en semer jusque dans le courant de l'été. Ouais, au mois de juillet, on peut en faire encore. Hein. Quand on lit chez les semenciers ou quand on lit dans les articles de journaux, on a les petits pois ronds, on a les petits pois ridés. C'est quoi la différence? Il n'y a pas de qualité de goût, c'est juste la semence? Oui, c'est la semence. C'est la variété à grains ridés, on peut la faire plus tardivement. Est-ce que c'est une culture qui demande beaucoup d'arrosage? Non, pas spécialement. Enfin, au démarrage, oui, si le temps est sec, il faudra maintenir une humidité dans le sol pour que les graines germent. Mais après, ça mène sa vie, hein, le petit pois. Les petits pois, on lit qu'il faut leur donner des rames. Donc, on fait soit avec des morceaux de bambou, soit avec des petits cutters. Toi, tu as choisi de faire quoi? La nature est intéressante autour de chez moi. Il y a plein de noisetiers. Au mois de février, au janvier, je vais couper toutes ces petites branches que je fais sécher. Et puis, ça me servira pour faire les rames, hein, comme ça. Et les petits pois crus, c'est bon? Ah oui, tout petits, c'est très bon. Les extra fins, oui, j'adore les manger comme ça. Hein. Les tout petits, hein. Ça t'arrive de passer dans le jardin, de faire une petite récolte, hop, vite fait? Je peux me nourrir de tout ce qu'il y a dans le jardin quand c'est la bonne époque, de choses crues à manger. Je rumine, je broute, il y a plein de choses qu'on peut déguster, des feuilles de ceci, des gousses de petits pois tout frais, tout tendres.